La décision du Conseil m'avait décontenancé. Mais le plan de Melnik me redonnait espoir. Je devais me hisser une fois de plus jusqu'aux décombres de Moscou pour démasquer le secret de D6 et trouver le moyen d'activer la horde de missiles. Bonjour et bienvenue, je suis l'ancien Zéroien. Aujourd'hui nous allons faire un nouvel épisode de Metro 2033. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre aventure et tout simplement aller trouver la bibliothèque pour aller sur D6. Pour après lancer des missiles, la pierre que qu'on doit faire, mais bon c'est pas grave. En fait vous saurez si je ferai Metro Last Light, je sais pas si je vais le faire finalement. Vu qu'il a pas beaucoup de succès celui-là, du coup je sais pas trop. Par contre, il y aura un nouveau sorti, un nouveau Metro Casanti, Metro Exode, ou Exilé, je sais plus, Metro. Enfin, il y a le dernier Metro de la frontière. Je compte le prendre, en espérant que celui-là, ça sera un peu plus, ouais, sera plus récent. Donc, je pense que oui. Par rapport à là, c'est un vieux jeu, en même temps. Ouais. Le mec. Ok. Donc on verra tout simplement si je prends le nouveau métro et si je fais The Last Light finalement. Je sais pas encore, je verrai. Si j'ai pas mieux à proposer comme jeu vidéo, je le ferai sûrement. Je verrai, il faut que je re-télécharge, ça va prendre un peu de forfait vu que je suis sur la pomme. Voilà. Pas trop le choix. Je la boxe, je crois. Sur mon téléphone portable, la clé 4G. Ok. Ok, ça c'est bon, ça enregistre bien. Merci. Je vais pas aller par là. D'accord. Les radiations. Mais vous pouvez trouver des radiations partout là. On zappait le... le truc qui tombe dessus. Ok. Ok. Bon. Artyom ! Ok. Artyom, enfin tu es là. C'est bien. On s'inquiétait. Tu te souviens de ce qu'il faut faire ? Il faut trouver les archives militaires. Elles sont quelque part sous la bibliothèque. On peut les atteindre depuis la salle de lecture principale. Très bien. On s'est assez gelé comme ça. On y va. Ok. Bah, let's go.
les gars. Ah oui. C'est aussi bizarre d'un coup ça se fout là, du coup là. La splendeur de la bibliothèque Lénine me glace à le sang. Ce serait cru dans le château d'un conte de fées. Et comme dans toutes les légendes, ces trésors étaient gardés par des monstres. Ok. Danila, surveille l'extérieur. Avec Artyom, on inspecte la salle. Ouais. Ferme la porte, t'as raison. On verra plus clair. Bien, ça m'a l'air calme. Les gars, une flopée d'oiseaux vient nous rendre visite. Artyom, Danila, venez par ici. J'arrive. La porte en haut est verrouillée. Essaie de trouver un moyen de l'ouvrir. On pourra pas les retenir longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? À manger? Nous manger? Ah ouais, c'est saloperie. On va ouvrir cette porte. Ne bougez pas d'ici. On passera vous prendre au retour. C'est une blague. Encore un peu, et ces monstres nous auraient déchiquetés. Bon travail, Artyom. Je vais aller, ça fait quoi? Faut pas respirer, je me disais. Artyom, viens voir ça. Oh.
base. On sentira rien de toute façon. C'était une blague vraiment débile, hein. Ouais. Artyom, vérifie les salles latérales. Tu trouveras peut-être un moyen de l'ouvrir. Tu t'en sors bien. Bien. Système supra. Spino, des neurones et synapses. Oh. A et B, Strugatsky, Rothstein, Picnic. Ça me dit quelque chose. Picnic. Mettre le chronomètre. Attention du coup. Je pense qu'on va faire c'est peut-être la bibliothèque et puis une fois qu'on arrivera dans un point de machin, bah j'arrêterai. Parce que du coup j'ai pas mis le chrono, j'ai rien qui me fait, qui me dit. Vous en êtes à temps. Donc jamais. Ah. Un respirateur, le mec. Oh. Wow. T'as sûrement dû lire quelque chose à ce propos dans les livres écrits par les saints. Il est magnifique autrefois. Bah, c'est une bibliothèque. Un bibliothécaire. Écoute-moi, Artyom. Les bibliothécaires sont parmi les créatures les plus dangereuses ici. Si tu en rencontres un ou deux, Dieu nous en garde. Ne le combats pas.
Mais ne le flippe pas non plus. Ces monstres n'attaqueront pas si tu les regardes droit dans les yeux. Mais souviens-toi de toujours les garder à l'œil. Si tu leur tournes le dos, tu es mort, ok? Si un monstre devient nerveux, éloigne-toi, mais doucement. Et si tu tires, que tu regardes ou non, tu ne verras plus jamais rien. Ah ouais. Allez là, derrière toi. Il est encore en vie. Artyom, je dois le conduire à police. Tu trouveras la carte toi-même. Voici les plans des étages. L'entrée des archives militaires se trouve quelque part au rez-de-chaussée de la bibliothèque. La porte par laquelle le bibliothécaire est passé t'y conduit. Il ne te reste pas beaucoup de temps. Le jour se lève. Pars et n'oublie pas ce que je t'ai dit à propos des monstres. Ok? J'essaierai de revenir aussi vite que possible. Moi? Bon, bah on va se faire buter alors. Tentacule puant là. Ah bon. Je me retrouvais de nouveau seul. Et bientôt j'allais devoir affronter la peur. Littéralement. Je sais vraiment pas combien je suis quoi. J'ai pas pensé à mettre la. Ah ouais, c'est le genre de King Kong en fait. C'est le genre de King Kong, mais on se souvenait plus de tiens. C'est pas tant que les filles, ce jeu aussi. Si je m'en souviens, on peut pas les tuer. Hein. Mec, tu vises, mais tu le regardes. Hein. Tu peux reculer. Gorille de merde. Gueule. Dégage. Alors, vous pouvez les tuer. Ils sont juste très difficiles. Quoi. Non, mais dis pas que j'ai utilisé les balles militaires. Grenavé. Je viens de le voir à peine maintenant quoi. Malheureusement.
personnages, je peux pas les buter, hein. J'ai toujours buté dans ces personnages en général. C'est rare que je les butais pas parce qu'en fait, même si tu fais que de les regarder, les machins ils t'attaquent quand même. Donc du coup, t'as vu le courrier de merde là? Dégage. Tu vas dégager la contre. Tu vas. Oh. Tu vas crever ou quoi là? Oh, les autres ils ont crevé maintenant, une mortelle comme ça. Dégage. Putain. Ça me saoule le machin là. King Kong là. Là on a quoi là? Toi. Ok.
fait. Tac. Ouais. Ah voilà, j'ai pas vu le passage. Bah si. Si, j'ai vu ce passage. C'est... Oh, marche, on voit rien avec ce masque à gaz à la con là. Descendre, le dit monter, lol, le machin est complètement bugué. Pas les plus bas normalement. Peut-être que si, non, pas les plus bas. C'est l'endroit où on peut aller, c'est là. Dégage toi ou quoi? Recule. Dégage. Tu vas dégager. Tu vas te prendre. Tu sais prendre. Gueule. Tu vas crever. Bloqué en plus. Bon, il va descendre son culé. Dégage. Putain, bruit de merde là. Bon. Est-ce qu'on a d'autres trucs à récupérer ici? Il y a un par terre. Bon. Lol, c'est d'où on vient en plus, hein. Je sais pas dire. Thank you.
Ouais, il y a l'état tu as de casque. Ouais. Il va avoir un peu moins de pète que celui que le mien. Ou alors il a plus de pète que celui-là. C'est pareil. Ok. J'en étais où ? Du coup j'en étais là. Il fallait tout droit. Trop lolo. Tourner là. C'est à moitié bloqué en fait. Attends, peut-être qu'il vient d'ailleurs lui. Elle est en face là-bas. Le portail est tout ouvert. Dégage. Tu vas dégager la con. Genre bloqué en plus. C'est trop bien là. Crève à ton toi. Ah, ils me saoulent ces gorilles là. Pas le même modèle celui-là. Bon, tu me lâches là, les gorilles là. Oh, les gorilles m'ont sorti. Pas du guerre, mais là, je suis désolé, mais là, ils me pètent les couilles. Cette lampe torche qui marche à moitié pas là. Une lampe toute dégueulasse là. Le dépôt souterrain était un endroit effrayant, et je n'avais aucune idée où chercher, ni quoi. Mais je me refusais à croire que tous mes efforts avaient été vains.
Du coup, je sais pas à combien je suis, je préfère arrêter la vidéo ici. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, de liker si la vidéo vous a plu, de vous abonner à ma chaîne, ça fera très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes de Metro 2033. Et encore merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, bye les amis.